Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie. Régalez-vous. Et pas de PA. Non. Et tu voulais donc qu'on termine par une tenta PO sur ton masque Cthulhu? Ouais, vas-y, juste pour le délire. Petit jeu sympa quand même, hein. Si ça passe là-dessus, ça met bien. Ouais, bon, tant pis, hein. Pas de PO. Je trouve. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un magnifique maillépitaphe pour aller sur un écaflip feu PVP. Magnifique. Ça fait 80 tentas que je fais sur un bouclier giga dur, la première tenta ça passe. Non mais c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment pathologique, hein. Là je suis sur un bouclier cubiste. Ça fait depuis 2000, depuis début 2020 que je suis dessus. Je veux faire un over dommage sort PM sur le bouclier cubiste. Ça me coûte plus d'un million de kama la tenta en moyenne tellement les runes coûtent cher. Et là, je fais un truc éclatax sur un pilostère, dommage critique, et ça passe first try. Non, mais ma vie, c'est un sketch, hein. C'est juste pas normal, hein. Pourquoi je l'ai pas eu sur le bouclier tout à l'heure? Je fais des jets parfaits ou over 2 sorts. Oh, c'est. Je sais. Non, mais en vrai, je me fais vraiment la réflexion. Surtout que. Enfin, moi, j'ai pas mal étudié aussi tout le côté psychologique de l'humain. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe des PA. Non mais du coup je termine juste ma phrase. On a un problème d'aversion à la perte et de focus sur le négatif, ce qui fait que entre des messages positifs et des messages négatifs, à la fin tu retiendras plus les négatifs et tu seras plus impacté. C'est pour ça que des fois les petits messages sympas, ça fait du bien en fait, parce que ça contrebalance et ça fait qu'à la fin, en termes de mindset, c'est parfait. Ah bien on a un PA là. Bon. Putain, c'est pas vrai, j'ai mis ce clic. J'étais sûr que. Mais c'est pas possible. Je suis à 400 try sur des items en over plus exo, mais c'est. Je me suis dit, à tous les coups, je fais un over et je mets une PO pour enlever mon over et mettre la ligne à zéro. C'est obligé, je passe un PO et je misclic un exo. Non, mais c'est catastrophique. Enfin, franchement, il n'y a aucune bonne volonté du jeu. Ça fait des années que je tente des exo PO sur des items over vita ou exo res, et j'en ai jamais passé un de ma vie, et à chaque fois je passe des trucs random comme ça. Mais non, mais c'est on est où là? Pouh. En vrai, il y a moyen qu'on fasse du brisage PO, par contre, c'est réel ça. Est-ce qu'on choperait pas le puits comme ça? Passage d'une rune de transcendance pour un abonné, dommage sort sur un champ du nécromant, moins de vita, moins de chance, moins d'agilité. Hop, magnifique. Tenta PO sur des bottes croquantes, Nir Perf, Exo Invo. Pas de PO. 98,4 de puits. On va mettre la petite rafo. Moins 30, ça fait mal. Ok, le crit. Là, tout de suite, en fait, bah, comme là, il y a le PM sur l'item, bah, le G, il est beaucoup moins haut hein, sur le reste. C'est classique. 49, on a 3 pavis. Je vais en mettre qu'une, je pense. Bon, quoique. Attendez, là, j'ai moins 3. Il me reste 46. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est systématiquement d'aller chercher le 355. Est-ce que je peux me permettre? Merci beaucoup pour les sub gifts. Est-ce que je peux me permettre d'aller chercher? Je me dis, en fait, j'ai envie de faire du beau jeu, quoi. Est-ce qu'on a assez de puits pour que ce soit viable? Là, je pense en vrai, on n'a pas assez de puits. Là, on va faire une tentative petit joueur parce qu'on n'a pas le puits qu'il faut. Là, j'ai une, deux, trois et quatre. Ok, 444 en vrai, elle est belle. Mais sur des cas de figure où j'aurai un peu plus de puits en stock, j'essaierai de viser systématiquement les 355 pour aller essayer de chercher les 505. Bon, est-ce qu'on a le PA là-dessus? En vrai, si on a le PA là-dessus, ça c'est ok pour moi. En plus, bah là, c'est magnifique, hein, c'est perf sur toutes les lignes qui m'intéressent, donc sauf sur les deux qu'on a négligées. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA passe, j'ai vu l'avenir. Pourquoi tu mens comme ça? 96,2 de puits. Bon, encore une fois, le PM reste sur l'item, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, les tentats sont un peu moins belles. J'espère qu'il va sauter assez vite. On va commencer par l'over agi. Ok, ça passe direct, c'est cool. Ça aurait pu flinguer un peu le truc. On va mettre le repère haut.
Moins 10. Lara faux. Qui crit? Oh, nice. En vrai, elle est belle. 83. On a une pavie. On a 8 ravis là-dessus. Allez. Une. Deux. On a gagné une tenta. Une dernière. Ok, bon, en vrai, là-dessus, c'est pas mal. Si on a le PA, ça sera bien pour moi. Est-ce qu'on a le PA sur cet over de 97 de vitalité? On n'a pas le PA. Ok, le PM qui saute enfin, ça va nous libérer. On a quand même peut-être l'opportunité de faire une belle tenta quand même sur le puits PM. On a 85, on va commencer par la passa, qui passe, moins 9. Le doter. La fuite, moins 9. La réécrit, moins 2. Ok, on a 65. On va go full ravi, je pense. Du coup, je peux faire une tente à ça. Ça nous fait moins 3. On a 62. Imaginez la dinguerie qu'on peut sortir là. Oh! Eh, il nous en reste une, on a eu un crit. Imaginez le 504 là. Non. Il me reste du coup 2 de puits, donc j'ai 2 tentes à vie. On gaspille pas. Voilà, il vaut mieux. Il faut les mettre à la fin pour être sûr que ça nous bloque pas et que ça nous empêche pas d'atteindre le 504. Mais là, du coup, on les utilise à la fin. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ou quel cas ça m'ira? On n'a pas le PM. 99,2 depuis. Celle-là, elle peut être belle en vrai. Il nous faut une RAFO. Nice. Moins 10. On récupère gentiment ici. On va mettre les petits dommages. Moins 10. Oh, c'est une très belle tenta. On a 76. En vrai. En vrai de vrai, le beau jeu là c'est de tenter un crit rune tacle. Comme ça, si ça crit, on gagne une ravie. Non mais là, s'il vous plaît, c'est trop, c'est trop. Deux fois d'affilée quoi. Bon là, normalement, il y a une dinguerie qui sort. Hein. Ah, j'étais assez sûr de moi. Bon, en vrai, elle est magnifique quand même. Franchement, le goût de la rune tacle qui fait gagner une ravie, là, c'est quand même... là, c'est le beau jeu. C'est vraiment le beau jeu. Si ça pouvait passer là-dessus, ce serait quand même assez stylé. Est-ce qu'on a le PA sur cet over 105 vitalité avec les 40 sagesse en plus? Oh, j'y croyais tellement. J'y croyais tellement. Non. 99 depuis. On va tenter un cri de pas fuit. Nice. On va remettre... L'over agit, moins 10, on vient récupérer. J'adore quand ça fait ça. Toujours plus, hein. Ok, bah écoutez, incroyable, c'est inespéré, là. Ça me met très... Mais what the fuck, ça me met tellement bien. Moins 1. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça se passe bien. Moins 9, dommage. On a 79, du coup. Il nous faudrait une pavie. Nice. En vrai, pour l'instant, c'est pixel. Moins 10. Là clairement, on l'attente, là. On enlève 10 de vita. Il me reste 6 ravis là-dessus, les amis. Est-ce qu'on peut aller chercher le 505, peut-être? Ah! Il en manque une. Bon. On est sur un 455 avec les 40 sagesse. C'est quand même très, très beau. Est-ce qu'on peut avoir le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Non, 97. Bago pas âge. Moins 9. Dotaire. Ok, le crit. La pas faux. Ouf, moins 15. Il reste 73. On va mettre une ravie. Allez, 501 peut-être. Il reste 6 ravis. On aura du coup 4 en rab. Donc une vie, une pavie.
Une vie, une pavie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 99 depuis. On va commencer par l'overforce, moins 20. On va récupérer sur la J. Moins 9. Il nous reste 70. Un crit de pavie aurait mis bien là. J'ai 67, j'ai envie de tenter un crit prosp. Ah non, mais il y a de la prospection sur l'item, my bad. Non, il me faut un truc qui pèse 3. On va se mettre, je sais pas, une payinée. Hop. Si je peux crit ça, je gagne une rat. J'ai moins 9 du coup là. Moins 4. J'ai 54. Bon, on va mettre une rune de sagesse. Moins 3. 51, on a 5 ravis. On optimise, hein, on utilise un max de puits. Oh, bah, c'est bien. Ah oh, bah super. Alors, si c'était passé, j'aurais badé. En vrai, je suis con, j'aurais même pas dû mettre le PM. Là, le call, c'était plutôt de mettre une ravie, je pense. NP. Je regarde si on peut miraculeusement sortir quelque chose à partir de ça, mais j'y crois pas trop. À moins d'avoir une quantité de crit astronomique. En vrai... Non, je sais pas, j'ai combien de puits. Oh, je suis trop con, j'aurais dû mettre une petite rune vie au début. J'ai pas compté en me disant que ça allait être de la merde. Normalement, là, j'étais à 0. Ben, on va faire, du coup. J'ai plus 1, plus 15, plus 100, moins 90, moins 10, moins 9, moins 27, moins 6, moins 8, moins 20. Il me reste 16 là-dessus. Ah mais ouais, j'aurais pu. Mais c'est pas possible. J'aurais dû mettre une petite rune vie au début. Bon, NP. Est-ce qu'on a le PA du coup? Mais attendez, mais là... On a un over sans vita. Je l'ai pris à la légère en mode ça va être de la merde, alors que tu peux miser sur du full crit là-dessus. Hein. J'aurais dû mettre... là, je devrais être à 455. Enfin, ça sert à rien de raisonner comme ça, c'est pas valable. Bref, on se comprend. Pas de regret, on en est là. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 97 depuis. On va commencer par... Raage, moins 10. On récupère pas, malheureusement. Moins 18 là-dessus. On va mettre la petite passa. Moins 9. Le 2R qui crit. L'RS qui crit. Ce qui nous fait donc 60 tout pile. Bon, en vrai, là-dessus, c'est 60. Donc, on a eu un crit. 100 d'over avec 40 sagesse. Ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? Si on a le PM, ça me va, et je prends l'item comme ça. On n'a pas le PM. 91 depuis. Ça peut donner quelque chose de sympa. Il faut qu'on passe une rafo. Moins 30, ça pique. On va mettre direct do R récrite. J'aurais peut-être pu garder la récrite en vrai. On a moins 7. On a 54. On peut pas vie, on peut vie, on a 5 ravis. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Ah mais attendez, mais j'ai le PM encore depuis tout à l'heure là. Ok, est-ce qu'on crit une 2 perso là-dessus? Pas de crit 2 perso. Est-ce qu'on peut crit une ravie? Ou peut-être casser le PA ou le PM et repartir en over? Non plus. On continue. Le PM vient de sauter, on a 80 depuis. Hop, moins 9. Vara âge, moins 10. Ok, le crit, ça régale. Ah! C'était le cas de figure un peu tricky. En vrai, ça pose aucun problème. On va y aller comme ça, gentiment.
Est-ce que ça vaut la peine de mettre de la pavie? J'ai combien? J'ai 61 derrière. En vrai, non, pas de pavie. On va mettre plutôt de la paillinée. Un, ça fait une ravie déjà, moins 10. Faut qu'on vire 10 comme ça, il reste 51, c'est 5 ravis. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Dommage. Il reste 1 du coup. Hop. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. Est-ce qu'on a un crit de perso? Pas de crit de perso. Qu'est-ce qui se passe si on met une ravie? De la merde. Next. 98,2 depuis. 38 de sagesse, dommage. Moins 10. Ok. Mettre la fuite. Petite rafaux moins 20. Ok, ça coûte quand même assez cher, mais on s'en sort pas si mal. Le jet était assez haut de base. On a que 4 avis en fait, c'est de la merde. Je pensais que ça allait être bien, mais c'est nul à chier. Sauf si on full crit, évidemment. Hop, hop, hop. Oh, mais bien sûr. Et oui, on passe des runes vie à 403 en fait. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Ah mais j'ai mon PM aussi. Est-ce qu'on met une 2 perso en crit par exemple? Non. Qu'est-ce qui se passe avec la ravie? J'avais encore du puits. Je me disais bien que 40 c'était bizarre, j'ai dû faire nymphe avec le puits. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande si j'ai pas compté deux fois moins 20 en appuyant en faisant un misclick sur la touche calculatrice. Je me demande si, genre là, j'ai pas une deuxième ravie là. En fait, j'avais peut-être mon 458 là. Ok, je suis abattu, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp avec ma calculette, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah NP, on va retenter du coup un dommage sort. Ok, ravie, toujours pas. Ouais, j'aurais pu mettre deux ravies de plus, c'est un peu sad. Bah écoutez, c'est étrange. On continue. 97 depuis. On va mettre ça. Moins 10. Ok. Moins 10. Hop. Bon, dommage qu'on n'ait pas récupéré sur le dommage. Je vais y arriver. Ah, je me suis fail. Alors, tac. Tac. 72. Allez, full réécrit. Ok, full crit. Bah, 72 de puits restant, du coup. C'est parti. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Bah techniquement on a le PA. Hein. Bon, on enchaîne du coup, on a 409 divisé par 5, plus 14, plus 90, moins 100. A chaque fois je coupe le recal quand ça me fait ça, alors qu'en fait on peut encore continuer. Il faut deux pas âge là. Une ra âge. Ok, elle passe, c'est cool. Mais je suis trop con, je pouvais récupérer avec des runes vie. Oh, je suis un attardé. 72. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça pour ça. Évidemment, le PM passe là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un crit dommage sort? Non. Éclaté. C'est nul. Énorme tenta à 98 depuis, il y a juste la pas âge à passer, c'est maintenant. Moins 12.
On est à combien là? On est à 86, ouais. J'ai donc... Techniquement, j'ai deux pavis, mais là, comme j'ai une bonne congruence, on va essayer de tenter le 502. Et on mettra les pavis à la fin. On a donc 8 ravis. Allez. Allez, allez. Il me faut du vert. Oui. Il reste deux pavis. Bon, si ça passe là-dessus, ce sera OK pour moi. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? Ça me ferait plaisir qu'on puisse enfin boucler cet item. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 94 depuis. On va go... Double pas faux. Moins 6. Lara Age qui passe, moins 10. L'attentat est potentiellement sympa en vrai. On va mettre la pas faux, moins 3. La récri qui crit, on a 75. Oh, c'est pas mal. Si j'enlève du... Vas-y, on va double vie. Pas vie. Ok. On a 7 tentats ravis là-dessus. Ok. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, en principe, pour de l'over, j'accepte 90 mini d'over parce que 90, c'est l'équivalent d'un 3% en termes de puits. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Comme raisonnement, mais bon, voilà, c'est pour fixer une limite. Donc là, en théorie, c'est dans mes critères. Même si ça me ravit pas, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. 84 depuis. On peut avoir le full perf là-dessus. On va go... double papuy. Ok, moins 6. On a 2 à récup. On va mettre une petite réfixe. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de la vita? En vrai, on peut ravi. Ça passe. Moins 10. Et là, il faut espérer le moins 6. Et dommage. Dommage. Ce qui nous fait du coup 68. Et on a une pavie en rab. Si on peut, on peut pavipod. Ok, ça marche. Pavipod, j'ai ben... Oh, en vrai. En vrai, en vrai. Là, du coup, j'ai moins 3. J'ai plus 0,1. En vrai, on remet une pavipod, ça va, on n'est pas des fragiles. Hop, quand on peut avoir le full perf avec le perf sagesse, on va le chercher quand même. Respectons-nous. Du coup, là, on a 62. On peut tenter... On peut tenter double crit réfix. Ok, on l'a pas. On a donc 10 tentats res... Oh. Est-ce qu'on peut avoir un petit 3% là-dessus, par exemple? Ben voilà. Bah, perf 3%, ça me va, c'est le minimum, enfin c'est même pas le minimum, un IR perf 3% me conviendrait, là je suis pas dans une optique de grosse exigence. Est-ce qu'on a le PM sur ce perf 3%? On n'a pas le PM. 85 depuis, l'attentat est plutôt belle. On a moins 6, moins 9, 70 depuis là-dessus, en soi j'ai 4 depuis en rab. On peut go pavipod, nice, moins 3. La pod. Plus 0,1. On peut retenter. Bon, en vrai, on va y aller jusqu'au bout. Là, du coup, j'ai eu moins 0,5. Et moins 3. Quand on a le perf sagesse comme ça, ça donne trop envie d'aller chercher le full perf. Plus 0,1. Moins 3,5. On a 60,2. 10 tentas, c'est absolument magnifique. Allez, 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 le 4%, le 4%. Ok, bon, elle est magnifique. Deuxième tenta full PR 3%, est-ce que ça repasse là-dessus? On n'a pas le PM. 85 depuis. Allez, la petite papuie, moins 6. On peut récupérer la pavie. Magnifique, plus 1. Cette fois-ci, on va pas trahir le full perf. Moins 6, puisqu'on n'a pas le perf sagesse, donc on a 74. J'ai 2 en rab là.
En soi, j'ai juste à créer une chat et je peux gagner une tenta pavipod. Dommage. 11 tentarez. Oui. Allez. Oh, le 4%. C'est bien aussi ça. Est-ce qu'on a le PM sur ce moins 2 vita, moins 1 sagesse, 4% haut? On n'a pas le PM. 83 de puits. Bon, la sagesse, pas ouf. On va commencer évidemment par la papuie, moins 6. On peut récupérer la pavip. Oh! Bah bien sûr. Moins 3. Non mais c'est quoi ça? On se fait troller là. En vrai, ce qu'il faut que je fasse là, c'est de la réfixe. Voilà. 74. Avec ça, j'ai 76. Je peux tenter un crit. Non. Là, du coup, j'ai eu moins 4. Ok. J'ai 11 tentats de plus. Petit 4% peut-être? Et oui! Est-ce qu'on peut avoir le PM sur ce 4% haut, near perf? On n'a pas le PM. 88,6 depuis. Ouf, moins 24. Est-ce que je pavie ou pas? Oui. Full pavie. Non mais c'est abusé. Ça me va en vrai. Bah j'ai moins 3 du coup pour tout ça, ça régale. On a donc 61. Bah let's go, hein. 10 repères. Est-ce qu'on a le PM sur ce near perf 3%? On a le PM. Bon, c'est si on vraiment détendre sur cet item à la cool, c'est pas compliqué. Ouais, les pavis là, l'anxiété monte, hein. Nice. Alors c'était un peu inattendu. C'était vraiment les tentats à la schlag de la fin du stream là. 83 depuis. L'attentat est potentiellement intéressant. Ça peut faire un truc stylé. Il nous faut l'Erastat, moins 10. La Repo qui récupère peut-être? Non. Les deux over qui passent instantanément, ça fait très plaisir. Les Repo qui passent également. On va mettre la petite passa maintenant. Pas de crit, moins 9. Moins 6. Moins 6. Eh, 42. Il nous faut les ravis. Moins 10, et je peux même passer la sagesse en crit. En neutre, je veux dire. En neutre, c'est très très sympa potentiellement là. Est-ce qu'on a la Rasa? J'en ai jamais douté. Il reste 2 de puits là-dessus. 2 de puits, c'est quoi? C'est potentiellement un crit. Pas de crit, ok. Si j'avais crit, j'aurais pu tenter une rune sagesse. Mais écoutez, on est sur un sacré G quand même là. Hein. On est plutôt sur un sacré G. Si on a le PM là-dessus, je suis très très content, ça prend une rune trans. C'est vraiment magnifique. Sur cet item, franchement, moins 1 vita, moins 2 sagesse. On est content, quoi. Est-ce qu'on a le PM, les amis? Dernière rune PM que j'ai en plus.
On n'a pas le PM. Bon, je suis un peu abattu, j'ai mis la ravie qu'il fallait pas mettre, et évidemment le PM saute direct après, donc là il n'y a qu'un truc à faire, c'est de crit une pavie. Crit au succès neutre, hein, mais oui, ça peut encore passer à ce stade. Bon, moins 15, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais j'ai un peu abusé. Le crit, par contre, là, qui met bien. Ça va, ça va. Ok. On va mettre Painé. Moins 5. Rainé. Moins 20. On enlève l'over comme ça. On va faire double pacha. Moins 12. L'arracha moins 10. Le petit crit. Oh! Oui. Normalement, celle-là, elle est censée bien passer, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 20. Bah super. Reste 6 là-dessus. C'est deux temps à pavie. J'ai rien dit. PM et Rasa, c'est le plan. PM, est-ce qu'on a le crit Rasa, les amis? Dans le cas, ça nous ferait un joli G. On n'a pas le crit Rasa, on continue. Bon, là, on a une tenta intéressante, on est très haut sur le G. J'avais passé une Rasa juste avant parce que le G était maxé. Malheureusement, la Vita, là, elle est pas terrible. Il va falloir qu'on aille chercher les 392 et on pourra pas avoir mieux que 492, malheureusement. On ne pourra pas faire mieux que ça. Ça me fait donc moins 21 là-dessus. J'aurais dû commencer par une Rainée, objectivement. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, tant pis. On va go ravi, une fois 2, moins 20. Bon, si les overs passent assez vite, là le G est vraiment au top du top hein, sur le reste. Moins 20. Allez, on aura deux tentas pour l'intel. Nice. Ouais. 13 restants. La passa qui, si elle pouvait passer, ce serait incroyable. Dommage. Moins 6, il me reste 7. On va essayer de crit une raie neutre et de gagner une tenta passa. Dommage. Il me reste 5. Je peux encore tenter de crit une rune tacle. Je vérifie qu'il n'y en a pas sur l'item. Non. Je peux crit une rune tacle et gagner une tenta passa. Non. Il me reste 1. 0. On a le PM là-dessus. Bon. On n'est pas sur le G que je voulais. On est un peu trop bas. Il manque une passa. Avec une passa, ce serait fine, mais. L'avantage sur ce genre d'item, c'est que certes c'est un peu bourbier à faire, mais c'est un item très méta qui est très recherché, qui est joué dans beaucoup de modes. Donc en fait, je peux me permettre d'accepter des jets comme ça, et dès que j'en vends un meilleur, je le tryhard, celui-là je le revends en faisant une plus-value en fait. C'est vraiment l'intérêt de ce genre d'item. Donc je pense que je vais juste trans ça en Dodi. C'est pas au niveau d'exigence que j'aurais voulu, voilà, il me manquait. J'aurais voulu 496 Vita Mini et 48 Sagesse Mini. Bon, on a eu quelques belles tentas, pas de regrets, ça va. C'est un petit peu pénible à faire, mais c'est pas non plus ingérable. Alors en revanche, je comptais sur le fait qu'il y ait un PM pour faire des tentas à dommage distance PO sur le pu PM. Je me rends compte que c'est quand même très compliqué. Mais bon, avec du tryhard éventuellement. On va s'arrêter là-dessus pour cette session, ce sera bien. Hop, petit dommage distance, ça ira sûrement Xelor. Ok. Le G est plutôt haut, il y a moyen de négocier des trucs là. Vraiment, j'ai vu le G, je me dis, le petit PA là-dessus là, tac tac. Ok, c'est pas mal. Il faut absolument pouvoir baisser la puissance. Ok. On va mettre des runes vie. Oh merde. Bah là, c'est mort, hein. Il me fallait moins 1 de puissance encore. Oh, je suis abattu. Le PA qui saute à la rune vie, quoi.
Alors quand tu veux faire sauter un PA, tu mets tes meilleurs pas d'eau, le PA saute pas, et là ça saute à la ruine vie. Je suis abattu, il fallait un puissance de moins. Là je peux rien faire, on peut pas rappuyer. Bah dommage, hein, j'avais bien géré, bah là y a rien à faire malheureusement. Il y a absolument rien à faire. Hein. Je sais pas si le chat a une idée de ce qu'on peut faire là-dessus. Spammer des papus jusqu'à 80, bah oui. Je suis imbattu, ça c'était nickel là, j'avais juste à mettre mes petites runes vie, ça tapait dans la puissance, il me fallait juste le moins 1, mettre une rapu, c'était réglé. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Bah là. Je vois qu'une solution, hein. Oups. Bon, bah go next, hein. Super. Vraiment, un de puissance qui troll tout, ça régale. Le crit ravi peut-être? Eh non, j'y ai cru. Le crit ravi peut-être? Oh, j'y ai presque cru. Le PA. Pas de PA. 89 depuis. On va go. Over, recrit, moins 18. Painé. Ravi. Moins 20. En fait, le problème, c'est que individuellement, c'est pas très pénible à gérer les lignes, mais il y en a tellement d'over à faire dans tous les sens que ça finit par coûter assez cher. On a moins 3. J'envisage presque de faire un G sans les deux poux. 31, là, typiquement, j'ai pas vraiment le. Pas trop me permettre d'aller sur les deux poules. Plutôt que d'avoir une tenta qui ressemble à rien, je vais en faire une sans, mais je les veux les deux poules, hein, objectivement. Juste que selon la façon dont se passent les FM, bon bah, tu les as plus ou moins, quoi. Mais. On a le PM. Est-ce qu'on a le PO là-dessus? On n'a pas le PO. 87 depuis. La ravie qui passe, moins 12. Moins 10, pardon. On va go tout de suite, pod, ce sera le mieux. Moins 1 vita, on s'en contentera. Alors, par contre, les stats, il les faut. Painé, moins 3. On récupère pas. Pas faux, moins 3. On récupère pas. Repair, 6. Ok, le crit, moins 18. Le soin qui crit, ça fait très plaisir. Et on a beaucoup de crit sur les autres runes. Là, on a 48 là-dessus. J'avais dit qu'il me fallait les deux poux, je veux pas être faible. C'est juste pour voir si on peut avoir un 3% sur l'item parce que je commence à avoir un doute là. Toujours pas. On a le PM. Est-ce qu'on a le PO là-dessus? On n'a pas le PO. 90 depuis. Est-ce qu'on ravit? Bien sûr qu'on ravit. Moins 20. Alors là, le plan, on va être joueur un peu, il me faut un moins 16 et un moins 6. Alors oui. Alors. Ok. Et là, typiquement, il me faut un moins 6 là. Mais j'ai jamais douté de moi une seconde. Incroyable. C'est beau quand ça se passe comme sur le plan. On a du crit en plus, on récupère tout. Non mais là, c'est la sauce. Hein. Enfin, c'est magnifique. C'est. La séquence là, c'était une pure dinguerie. Ok. Bah, c'est incroyable ça. Repère là. Hop, le crit, non mais toujours plus en fait, on a 67 depuis. Bon, j'ai dit 20 de poux, quand c'est 20 de poux, on accepte de les laisser comme ça, aux F des deux poux du coup. Attendez, mais ça c'est 11 tenta rester, ça je reconnais. Et en vrai, c'est incroyable, la gestion de l'over là, c'était pixel. Hein. Et peut-être le 4% là-dessus, 3%. Est-ce qu'on pourrait passer le PA là-dessus, ce serait une masterclass. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce que je peux valider mon G avec le PO? Parce qu'évidemment, il manque le PO, hein. Est-ce qu'on a le PO sur ce très beau jet 3% terre, bon, avec quelques lignes négligées, mais qui reste un très beau jet par rapport à ce que je veux? On n'a pas le PO. 98,8 depuis. C'est parti, la passa, moins 9. Ok. Est-ce qu'on balancerait pas de la grosse ravie? Bien sûr que si. Moins 10. Et on récupère peut-être sur le repair. À chaque fois, hein. C'est à chaque fois comme ça. Le dos terre. Allez, il me faut le moins 5 là. Ah, j'aurais pu mettre
La part écrit serait été mieux. Ça va, je m'en sors bien, j'ai le moins 30 au final. Là, pas faux. Moins 3. La réécrite, une fois. Ok. Moins 8. Moins 5, on est à 63. On va tenter le crit Pacha. Donc pour la... Pour les deux poux, en fait, je les monte quand je gère mon item, en dernier par rapport aux autres lignes, et du coup, les tentas où ça se présente bien, bah, on les prendra, et sinon, tant pis. C'est mon choix. De compromis correct, surtout que c'est un item... En vrai, c'est un item un peu troll, on va pas se mentir. Il est probable que je le joue 3 colis et que je me dise, bon, c'est nul à chier, donc bon, on va pas trop forcer non plus. On a eu un crit, deux crits, une, deux, on aurait pu avoir le 5% peut-être. En vrai... En vrai, attendez, on prend le screen pour mettre sur Twitter, évidemment. Petit 4% là-dessus. Avec deux crits en plus, c'est quand même assez stylé. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. J'ai jamais douté pour le PA, mais par contre, pour le PO, je doute très fort. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 94 depuis. L'attentat est potentiellement belle. On a moins 9. On a moins 3. Ok. Plus 1. Mais c'est pas mal, ça. La rune force. Yes. Le petit crit à nouveau. En vrai, dinguerie, l'attentat. On est à 21. On peut aller chercher le 22 de poux, peut-être. Voilà. Moins 3. La pas de poux qui passe. Moins 15. On a 65 ici. Je pense pas qu'on ait de rap d'avant. Je remonte un petit peu quand même dans l'historique. Là, on a moins 1. Plus 1. Moins 1. Moins 1, plus 1, plus 1. Ah, il y a peut-être moyen qu'on ait un drab en vrai. Ok, il faut que je recompte un peu plus calmement. Quand est-ce qu'ils vont afficher le puits en temps réel qu'on ait plus à se casser la tête comme ça? Du coup, j'ai dit moins 1, plus 1, donc 0. Là, je suis à moins 1. Là, je suis à moins 2. Là, je suis à moins 1. Là, je suis à 0. Et là, je suis à plus de... J'ai 11 tentats repair, si je me suis pas planté. Toujours un peu bizarre de compter le plus reculon comme ça. Je les avais bien. Bah, j'ai bien fait d'aller chercher la 11e. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO? Sur ce moins 4 vita, 3% avec quelques lignes négligées, mais les 25 de poux. On a le PO. Eh bien écoutez, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, bien fait d'aller, bien content d'être allé remonter des lignes pour compter mon puits. Et ça passe sur 25 de poux, ce qui fait quand même plutôt plaisir, parce que j'ai eu des tentats où les deux poux n'étaient pas soignés comme ça. 77 de puits, l'attentat qui ressemble pas à grand chose, mais on va rien dire. En vrai, ça peut faire un truc. Hop, je suis bête, j'aurais pu faire en réécrite. Je pense que ça passe encore à peu près bien à ce stade. Voilà, moins 4. Moins 12, ça pique un peu. Hop, hop, hop. 10. Le crit soin qui régale. 48, c'est 8 tentats. C'est parti. Allez, 2, 3 peut-être. Non, 2%. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. C'est la tenta PO, les amis, c'est maintenant. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 87 depuis. Hop. Moins 20. Tac. On récup. Hop. Ça commence plutôt bien. Crit. Succès neutre. Ok, l'attentat est potentiellement stylé. Moins 6. On va mettre de la petite prosp. En vrai, on peut mettre une pafo, allez. Là, forcément. On a moins 3, plus 1. Moins 6, on a 50. On a 2 drabs. Et 8 tentats. Oh, j'ai... 1.
Donc ça fait littéralement 3 soirs que je galère à avoir 2% sur l'item et là on a un 4% comme ça en double crit. Ok. En vrai, si le PM passe là-dessus, bah, il n'y a pas les deux poux, tu me diras. Bon, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 85 de puits. Nice. Let's go! Fallait bien que ça me le fasse un jour, hein. Cas d'école, ça. Vous pouvez prendre en photo, mettre dans les livres. Ah, ça régale. Bon. Bonne chose de faite. La petite painée. Bah, nickel, on parle là-dessus. Hop. Non mais toujours plus aussi là. Oh c'est dur. L'item est pas très fun hein, quand même. Hein. 20, on a 2 en rab. Moins 4. Moins 2. Moins 4. Alors, je peux tout expliquer. J'ai fait nimp. Voilà. C'est très simple. Pas de PO. Heureusement. On sort ce G à l'orbe. Perf puissance, perf de sort. Est-ce qu'on a le crit ravi éventuellement? Et non. Dommage. Pas de PO. Tant à crit ravi. J'y ai presque cru. Pas de PA. Mais à chaque fois, genre, je demande juste mes lignes tranquilles et j'ai plus de puits. C'est. Oh, alors ça fait plaisir par contre. Ok, je suis consolé, j'arrête de ronchonner. Oui. 75 de puits, sans grande conviction, hein. Ravi. Ouais. 77,4 depuis. Bon, là, c'est pas dingue en soi. On va double ravi, faut que ça passe. Moins 20, c'est correct. 27 à virer, on peut faire dos. Alors. C'était pas du tout dos qu'il fallait faire. My bad. Je me suis trompé. Ok. On va double pas faux. Moins 6. La part écrite, qui crit, ça fait plaisir. Ok. Hop, hop. Ok, on a moins 5. Ça fait plaisir. 46 là-dessus. As-tu une petite pas faux. On a 44. On peut tenter un crit réfixe. Non, moins 1, on a 42. On peut encore tenter un crit réfixe. Non. On a 40, on peut encore tenter un crit réfixe. Ça passe pas. 7 tentats. %. Waouh. On a le PM. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 87 de puits. La ravie. Moins 10. On va go. J'ai presque envie de tenter la recrit comme ça. Mais non, c'est du trolling en vrai. On va y aller là comme ça. Il nous faut la petite painée moins 1. La pari crit moins 18. La painée plus 1.
Ok. Le crit. Moins 4. 55. En vrai, 1. Et 9. C'est bon, là, j'ai abandonné l'idée de faire un item qui ressemble à quelque chose. Ouais, les deux terres, c'est surcoté. Hein. On a le PM. Vas-y, on s'arrête là-dessus. J'en ai ma claque, mais avec une force. J'en ai tellement marre de cet item de mort. C'est bon, on arrête là. Ça ressemble à rien du tout. Le jet, il est dégueulasse. C'est fini, en fait. C'est immonde. Genre, je veux même pas voir ça, tellement c'est moche. C'est vraiment catastrophique. Écoutez, voilà. Hein. C'est, je crois, une des pires sessions FM que j'ai faites depuis cette affaire des années. J'ai pas souvenir d'un item appui PA-PM qui a été aussi catastrophique que ça. C'est un... Y a rien qui s'est bien passé de toute la session. Genre, même on finit là sur un moins 1 de terre, qu'est-ce que j'ai foutu, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. En vrai, on va recompter parce que ça me perturbe quand même. J'aurais pas oublié le petit moins 10, là. Attendez, parce que c'est pas normal. Je suis quand même pas si con, en principe. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une painée. Ah, bah, j'ai littéralement zappé la ligne qu'il y avait... au-dessus du PM, là, le moins 3, là. Bah, yes. Hein. Ok, bon, bref. Bah, fin de cette vidéo AFM. N'hésitez pas à dislike la vidéo, parce que c'est un scandale pur, hein, ce qui s'est passé là-dessus. Il y a absolument rien de stylé dans ce AFM. On a fait n'importe quoi sur un item absolument impossible à AFM. Pour un mode complètement troll, que je vais jouer 3 colis, je vais me faire poutrer, je vais le changer. Bah bienvenue sur ma chaîne, hein. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Ok, on vient de créer une dommage sort, il nous faut une ravie. Dommage. Pas de PA. J'ai jamais douté. Let's go. Il faut le moins de puissance. Nice. Allez, maintenant c'est du spam rappui et on casse le PA. C'est le projet, là. Oh, mais bien sûr! J'ai jamais douté de moi une seconde. Alors, on a 1. Plus 80. Oh, enfin, ça troll pas, ça régale. La question, c'est dans quel ordre je fais les choses. Est-ce qu'on fait la vie en dernier? En vrai, je pense que oui. Faut mettre ça maintenant. Hop. J'ai même pas hésité sur le clic. Hein. Vous avez vu, c'était droit au but. Moins 15. On a 46 là-dessus. Est-ce que j'ai flippé? Est-ce que j'ai la tête d'un mec à flipper? Très bien. Bon, là-dessus, ça va être pod. Là, on a moins 40, il nous reste 6. Ça va être pod. Alors, faut faire attention parce que si la pod passe, ça peut faire de la merde. Et forcément. Donc, on a plus 0,1. Heureusement que j'ai gradé un peu de rab. Là, il reste 6,1. Il me faut absolument de la pavie. Voilà. On a moins 0,5. Ça nous fait 5,6. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, objectivement, il me fallait de la dommage mêlée pour PVP. Mais pour du PVP, je préfère viser de la full perf. Quoique. La grande question, c'est qu'est-ce que je mets comme trans ? Rune de trans. Sinon, c'est du dommage critique. Pour des modes farm, il me faut du 2 crit. Je pense que du 2 crit, c'est plus sage. Parce qu'en fait, il m'en faut plein. Il m'en faut une quinzaine à peu près pour des modes PVM. Avec beaucoup de dégâts. Et fut un temps, je les avais faites avec des jets éclatés. J'ai plein de GH qui sont en 50 vita full dégâts trans. Bon, bref. On fait tous des erreurs de jeunesse. Et maintenant, je voudrais toutes les faire en IRPerf pour le PVM. Et pour le PVP, je vais attendre d'en avoir une full perf. Voilà, pour aller sur mon sacrieur. Et donc là, on va mettre du 2 crit, je pense, pour full taper. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Full 2 crit sur un mode multi, multi 2 crit en pas de greffe, strigide. C'est le mieux. Les théories craft sont faites. Je vous promets.
Le chat pète un plomb, ça me régale. Ça me régale. On me dit 462 à 450 à la rune Ini. Non, 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 c'était trop risqué. C'était beaucoup trop risqué. On avait pas assez de marge, là. Ça va, on a déjà bouffé 40 de plus sur la ravie. Le chat est fou, hein. Le chat est complètement fou, hein. Allez, je vous laisse péter un plomb. Ça me régale. On va en faire d'autres, hein, vous inquiétez pas, comme je vous le disais, il m'en faut plusieurs. Et je voudrais vraiment attendre d'avoir un jet full parfait à 450 de vitalité pour mettre un dommage mêlé pour aller en PVP. Et pour le reste, ça c'est pour du PVM et on tabasse avec nos GH. Voilà, n'hésitez pas à mettre 40 000 commentaires pour me dire ce que vous auriez fait. Moi je vous laisse ici. C'était un plaisir de faire ces brisages PA à GH. Ça coûte très cher, mais c'est assez ludique à faire, hein. Il faut pas se mentir. C'est la fin de ce best-of Forge Magie, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.